Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Machlouf, Micha ben Masoud, Anachman Yosef ben Achum, Avraham Chayin Orber ben Fortuné, Mazal Dov ben Yehudit, Enissan ben Mefret. Si vous souhaitez vous aussi l'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Tamid, Perek Gimel Mishnah. Hey, Mishazacha Batamid Moshro Veolech le Betamid Bachaim, Mishazachou Ba'evarim, Holchin Acharav. Betamid Bachaim, Aya Litzfono Shel Mizbeach, Ve'alav Shmona Modim Nanasim, Urvit Shel Erez. על גביהן, ונקליות של ברזל היו קבועים בהן, ושלושה סדרים היה לכל אחד ואחד, שבהן תולין ומפשיטין, על השולחנות, על שולחנות של שיש, שבין העמודים. Depuis le Perek Gimel, on se charge maintenant de faire le Korban Tamid. Mishnah, Aleph Bet, c'est pour désigner, est-ce que, quel Kohen allait faire le Korban Tamid, allait faire la Shrita et la Zrika, et ainsi de suite. S'assurer qu'il fait bien jour. Mishnah Gimel, on était parti chercher le Korban Tamid. Mishnah Delet, on a commencé à faire boire le Korban Tamid pour bien, pour pouvoir lui, mieux lui dépecer la peau ensuite, après Shrita, ou bien pour vérifier qu'il n'y avait pas de sirop dans les poumons. Maintenant, ça y est, on est prêt à passer à l'acte. Et la Mishnah m'enseigne. Mishnah Zacha Batamid, celui qui avait reçu, qui avait gagné au tirage au sort, le droit de faire la shrita du tamid, Moshro veholech le bet amit bachaim. Il le tire et il s'en va vers les cuisines bet amit bachaim. Si on traduit littéralement l'endroit, non, c'est pas la cuisine, c'est pas vrai. C'est l'endroit où on est tvicha, les tvoach, c'est égorgé. L'endroit où on égorge les animaux. En l'occurrence, on vient ici sur le dessin du bet amigdash, de la Hazara, et on regarde que on a ici le Mizbeach. D'accord, le grand carré, c'est le Mizbeach, 28 amas sur 28 amas. Et on avait ensuite le Kevesh, la rampe pour monter, ça c'était d'un côté. C'est-à-dire 32 amas, quand on a marqué 32 amas, hein, c'est 32 amas depuis le Yesod. D'accord, 32, mais ça monte. On a l'occasion de découvrir dans ma Masechet Midot. En fait, en gros, ça fait 24 sur 24, même pour être plus précis. Et on a ensuite, derrière le Mizbeach, dans la partie nord du Mizbeach, on a ici, vous voyez, de sorte, on ne voit pas exactement ce que c'est des petits arcs, mais en réalité, c'est les tabaot. C'était des anneaux, des gros anneaux qui étaient fixés par terre, dans lesquels on couchait l'animal qu'il fallait faire la shrita, et on le fixait dans l'anneau, comme ça il ne bouge plus, comme ça on peut faire la shrita aisément, proprement. Ça, c'était les anneaux, donc c'est les tabaot. Maintenant, il y a encore deux choses que l'on voit, qu'on va mentionner dans la Mishnah, ce sont les nanasim, littéralement, les petits nains. C'est quoi? C'est pas Blanche-Neige et les sept nains. On parle de petits poteaux qu'on va expliquer l'intérêt. C'était en fait pour accrocher l'animal et commencer à le. Une fois qu'il a été gorgé, on accrochait l'animal, on pouvait commencer à l'ouvrir, lui sortir les membres et le sectionner. Et on avait ici des tables, 8 tables, les shulchanot. Et la Mishnah, donc, me fait de l'ordre. Bon, ça vous avez compris, il y a trois sections à constater. Il y a les anneaux pour faire la shrita. Les nanasim, les fameux poteaux pour lesquels on va commencer à découper l'animal, et les shulchanot, on va poser l'animal pour pouvoir travailler à plat et faire certaines actions qu'on va apprendre dans notre Mishnah. Mishezacha batamid, donc celui qui a reçu le tamid, qui a été désigné par tirage au sort pour offrir le tamid, Moshro volech le batamid bachaim, il le tirait, on était donc dans la Lishkat Hagazit, il l'a porté maintenant dans le Betamid Bachaim, dans l'endroit où on va l'égorger. Ceux qui avaient aussi désigné aussi dans le même tirage au sort, qui allaient ensuite prendre les membres du Korban Tamid et les amener sur le Mizbeach, ils allaient aussi avec lui. Et ensemble, ils allaient égorger le Korban Tamid. Betamid Bachaim aya litzfono shel Mizbeach. Ce Betamid Bachaim, il était sur au nord du Mizbeach, c'est-à-dire puisqu'on a le Mizbeach qui est là. On plaît ici, on a l'ouest, Maharav, l'est ici. Donc on a ici le Tsafon et là le sud. Ok? Donc ça, le Betamid Bachaim, il était au nord du Mizbeach, dans la partie nord du Mizbeach. Ve'alav Shmona Amudim Nanasim. Et au-dessus, c'est-à-dire, et plus loin encore, à côté de lui, il y avait les 8 Amudim Nanasim. Les 8 poteaux petits. C'est quoi les 8 poteaux? C'est simple. Je vous explique d'abord, après on va le lire dans le Mishnah, mais les poteaux, on a une grande règle dans le Beit HaMikdash. On ne plante pas de bois dans le Beit HaMikdash. Parce que c'est interdit de planter un arbre au Beit HaMikdash. Donc du fait, il n'y avait aucun bois qui était fixé.
quelques petites exceptions sur certains petits détails, on aura l'occasion de découvrir ça dans les Sekhet HaMinaval. Mais de manière générale, on ne plante pas de poteaux en bois. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pierre, maintenant. Maintenant, le bois, il a l'avantage d'être un petit peu plus souple, il nous permet de planter des crochets dedans. Alors, sur le poteau en bois, sur le poteau en pierre qu'on avait, on avait un supplément qui venait en bois, qui venait se fixer dessus, qui n'était pas fixé au sol, qui pouvait être facilement retiré, donc on n'avait pas planté d'arbres dans la hazara. Et il y avait sur ce nouveau poteau en bois, il y avait là-bas des crochets. C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Donc on a dit les tabaot, c'était dans la partie nord du Misbeach. Ve'ala avait à côté de lui, Shmoné Amoudim Nanassim, il y avait 8 Amoudim Nanassim, 8 poteaux qu'on appelait les Nanassim, les nains, parce qu'ils étaient des petits poteaux pas hauts, sûrement pour la stabilité du poteau ensuite en bois qu'on dirigeait dessus ensuite. Urvit Shel Erez Al-Gabehen. Et il y avait un Revit, ça vient du mot Khatichat Mirubat. Il y avait comme une poutre carrée de bois qui était posée dessus, qui était fixée dessus, mais pas fixée au sol. C'est-à-dire pas fixée, vissée au sol, mais qui était uniquement déposée dessus, mais bien fortement. Et il y avait, sur ces poteaux, il y avait des crochets qui étaient fixés. De quelle manière? Ushlosha Sdarim, l'école Echad Ve'Echad. Il y avait 3 Sdarim, 3 séries pour chacun d'eux. J'explique un petit peu plus clairement, comme le partenaire explique, qu'en réalité, les crochets, donc, ils étaient, c'était une poutre carrée qu'on fixait sur le poteau par terre. Elle était en bois. Et on fixait des vavim. Il fallait fixer différentes tailles selon l'animal que l'on va dépecer. Le but c'est qu'on prend l'animal une fois qu'il est gorgé, on l'accroche par la patte arrière. Et après, on commence à l'ouvrir et à le disséquer. Et donc, selon l'animal, s'il est grand ou petit, alors il fallait que le crochet soit plus haut ou moins haut pour pouvoir travailler à ma hauteur. Donc, c'est pour ça qu'il y avait 3 sdarim. Il précise aussi les mefarshim qu'il n'y en avait pas. Il y avait dans 3 directions, c'est un poteau carré. Il y avait juste dans 3 directions. Il y avait dans 3 directions uniquement, comme ce que vous voyez de près dans leur dessin, ils l'ont fait comme ça. Il n'y avait pas de crochet en direction ouest, afin de ne pas donner le dos au Echal. D'accord? On peut donner l'épaule sur le Echal, mais on ne peut pas donner le dos. Or, s'il y a quelqu'un qui va se mettre ici, et il va travailler donc face au poteau, et bien il va donner le dos au Echal, donc c'est pas bon. Donc il n'y avait pas de. On ne mettait pas de crochet à cet endroit-là. Donc, Unkeliot Shel Barzel Ayukvin Ben, il y avait donc des crochets en fer qui étaient fixés sur ces poutres qui étaient posées sur les nanasim. Ushloshas Darim Aya l'école Echad, il y avait 3 séries, donc chacun, en fait c'était 3 fois 3, 3 dans la hauteur et 3 aussi sur les 3 côtés, pas sur le 4e côté, à l'ouest. Shebaen Tolin, que grâce à eux on accrochait. Et on a. Donc fini la shrita du tamid, on accrochait par le pied, je ne sais plus, pied droit ou pied gauche, il y avait une technique, on procédait toujours de la même sorte. Ou mafshitim et la shulchanot, shel shaish, shel ben amodim. Une fois que tu l'as accroché, tu l'as dépecé. Alors la Mishnah m'enseigne une phrase un peu pas claire, qui me dit, et on le dépeçait sur les tables qui étaient en marbre, shel ben amodim. Qui était entre les amoudim, entre les poteaux, entre les nanassim. La Mishnah, vraisemblablement, elle me dit que c'est vrai que tu l'as accroché, probablement tu l'as accroché, je ne sais pas exactement, pour accrocher, pour bien ouvrir le ventre, apparemment, mais ensuite, pour passer au dépeçage, il fallait la poser sur les tables qui étaient là. Et la Mishnah me dit, tu sais, ces tables-là, elles étaient en marbre. Pour quelle raison en marbre et pas en or? Au Beth Amikdash, il y avait une richesse, Shlomo HaMelech, qui était dans le Beth Rishon, même Beit Sheni. Il y avait une grande richesse au Beth Amikdash. Pourquoi là tu nous as mis des tables en marbre au lieu de mettre des tables en or? Réponse très simple. Là on est sous le soleil, au fil de la journée il va taper très fort, ça va devenir très chaud, tu vas mettre de la viande dessus, elle va tourner. Donc on préfère avoir du marbre qui était de nature plus froide. Et donc on a dit qu'on égorgeait, ensuite on dépeçait l'animal sur les tables. Ok? Il y a une précision très importante, c'est qu'il y a un tosot. Il y a plutôt le Tiferet Israël qui explique qu'en fait on ne parle pas de ces tables qui étaient là, mais on parle qu'il y avait des tables supplémentaires, des petites tables qu'on mettait entre les nanassim pour pouvoir travailler à proximité, tandis que sur les grosses tables, les grandes tables,
On s'occupait plutôt de laver les entrailles. Pour pouvoir les faire monter sur le misbéar, aller les vider, les nettoyer. On faisait ça sur les tables. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.